أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيع الله أطيع الرسول وأولي الأمر منكم. الشيخ نقشبان طريقة النصيحة والخير في الجميع. Ce jour, il nous rappelle, c'est Nachar Nachshiban. Son ours bientôt, sur le mois de Haram, Haram, le 14 de ce mois, juste après le temps de la Ashura. Il nous rappelle ce bienfait de l'assemblée sur laquelle le secret de la manifestation des bienfaits d'âme la descend. Et Rabbi, accorde-nous ces bienfaits. Rends-nous éligibles pour les recevoir. Sayyidina Muhammad Abdel Salat wa Salam, la couronne des croyants, Habibika Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam. Il a été la mesure de l'accomplissement. Lorsque Allah Azzawajal l'a déployé dans ce monde, avant qu'il honore l'autre monde par sa présence, chaque instant, chaque moment, chaque parole, chaque geste, chaque état, chaque comportement était la manifestation de l'accomplissement. Il est la couronne de toute création. Et Allah Azzawajal l'a choisi pour manifester le symbole de suprématie, le symbole de perfection, le symbole d'accomplissement dans toute sa grandeur et dans tout son déploiement. Et son manteau absolu de cette position, de cette grandeur, de cette suprématie, de cette position d'élu, parce que c'est cela qu'il est pour la création. Il est l'élu, sans partenaire. Le prophète Sarasari. De cette grandeur-là, Allah Azzawajal l'a couvert du manteau de l'humilité. A fait de lui une manifestation de la miséricorde d'Allah. Et l'a habillé d'une décence et d'une douceur incommensurable, indescriptible. His kindness is beyond description. Abdallah Salat wa Salam, kindness to any creation. Kindness to human, kindness to angels, kindness to jinn, kindness to good ones, kindness even to bad ones, kindness to the worst ones, kindness to animals, kindness to plants, kindness to every manifestation that has been created. Et c'est pour cela
que le chemin sur la trace du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le chemin de l'islam, il est manifesté sous cette apparence-là, d'amour, de miséricorde et d'extrême douceur du serviteur envers tout ce qui l'approche. Voilà le cher. Voilà le cher. Sultan Awliya Cheikh Mohamed Nazim Al-Haqqani. Son regard, son toucher, son attention, il illuminait les cœurs de bonheur. Il illuminait les cœurs d'un amour indescriptible. Il illuminait les cœurs d'un respect. Il forçait le respect de tout ce qui l'approchait, juste par son être et ce qui émanait de lui. Comme nous pouvons voir avec ses héritiers nobles, ses héritiers véritables, vous visitez, vous avez l'occasion, le Nasher, Cheikh Mohamed et Cheikh Kabani. Cette expression d'amour et de respect pour l'autre. L'une des dernières fois où on est allé le visiter, on était dans la maison, il a demandé où sont les voyageurs qui viennent du Canada. Il a dit, ils sont sur leur départ, ils demandent votre bénédiction. Il s'est tourné vers Haja, il a dit, il faut se lever et il faut aller les saluer. Il faut aller leur donner, parce qu'on ne peut pas leur donner assez de remerciements et de respect pour l'honneur qu'ils nous font. Et malgré que l'effort est difficile, il est sorti, il s'est assis, il a donné le salam à chacun, il a prié pour chacun. Dans un geste, dans un élan d'amour. Et nous n'avons pas vu d'eux de la dureté. Nous n'avons pas vu d'eux que les individus sont venus en disant il nous a mal parlé. Jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a adressé quelqu'un en lui manquant de respect. Jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a adressé quelqu'un en le déshonorant devant une autre personne. Jamais. Ce n'est pas sa marque. Astaghfirullah. Quelle que soit la raison, ce n'est pas la marque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on ne peut pas prétendre à l'éducation spirituelle si on n'imite pas le comportement du prophète. La menace, c'est le shaitan. L'intimidation, c'est le shaitan. La dureté, c'est le shaitan. Sur le chemin du sulouk, sur le chemin des gens qui cherchent le visage de leur Seigneur, la discipline, elle appartient à un maître certifié avec son disciple dans un cercle qu'il a choisi. À 99% du temps, dans une intimité que personne ne voit. Ce qu'on appelle l'épreuve. Pour le reste, leur adresse n'est qu'amour, n'est que respect. Et là est l'essence du caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le cher, il a la permission de mettre à l'épreuve son disciple.
C'est une autorité certifiée chez Allah. C'est une autorité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donnée. Et le cher. Qui est le cher? Tellement de prétentions. Sur un chemin comme notre voie, le grand cher, c'est le cher Abdullah Faisal al-Islami, il disait, j'ai deux étudiants et j'ai deux enfants en devenir. J'ai Nazim Effendi et Hussein Effendi comme étudiants. L'un allait devenir le pôle des saints, l'autre allait devenir un raus, un des akhtab qui a vécu anonyme dans l'arrière-pays des montagnes kurdes de la Syrie. Et les deux enfants, Cheikh Hicham, sa station et nous honore de son regard. Et par la suite, Orlana Cher, quand il a donné l'autorisation sur la guidance spirituelle, il l'a donné à trois. Il l'a nommé. Il l'a donné, il l'a certifié pour dire Cheikh Adnan, Cheikh Hicham, Cheikh Mohamed, ce sont des chefs autorisés pour entraîner, pour former, pour faire le Hirshad. Et ils ont donc cette autorisation d'entraîner, de discipliner à la mesure de ce que Allah leur a donné. Malgré cela, ce qu'on a vu de la manifestation, toujours l'humilité. Et jamais de prétention. Et aujourd'hui, tellement de gens vont prétendre. Le mourshid, le guide, un cheikh de irshad, un cheikh de guidance, quand il reçoit un étudiant, il l'attend. Il sait qu'il vient, il sait sur quel état il est né, sur quel état il est arrivé et sur quel état il doit quitter. Même s'il ne le montre pas. Pour les intimes, pour les gens qui vont rentrer dans leur cercle de confiance et de connaissance, ils vont voir certaines manifestations. Et des fois, le cher te montre qu'en dépit de ce que tu crois, il est avec toi 24 heures sur 7. Il sait ce que tu fais dans ta plus grande intimité. Même si quand tu es devant lui, comme Maulana Cheikh Nazim, souvent il nous faisait le tour. Il te demande ton nom trois fois. Et entre les trois fois, il a oublié. Ça, c'est pour picoter un peu les gens. Surtout les gens qui arrivent la première fois. It raises in their mind all kinds of questions. How the Sheikh is asking me my name, asking me again. One time he's calling me Abdallah. One time he's calling me Fulan. Sometimes he's thinking I am from Zanzibar. Next time he's thinking I'm from Norway. Mais
Si tu deviens d'une intimité de confiance, il peut te raconter ta vie du jour où tu es né jusqu'à aujourd'hui. Et combien de fois on a témoigné ce genre de choses de nous. Et ils ont toujours, Aulia al-Kiram, Sadatina les mashayikh de la Silsila, on parle d'eux parce que c'est sur leur chemin qu'on est sous leur gouverne et leur guidance. Leur caractéristique est ainsi, ils savent où ils ont pris l'étudiant, sous quelle bannière il est né, sous quelle manifestation il est, ce qu'il a fait pour arriver là, où est-ce qu'il doit se rendre. Celui qui sait ça, sur qui Allah Azzawajal a donné cette réalité à son cœur, il la voit, il l'aperçoit, il n'a pas de prétention. Mais ô combien ont de la prétention, ils ne savent pas ce qu'il y a même derrière le mur. Ils ne savent pas ce qu'il y a au-delà de la poitrine des gens. Mais il ne faut pas se tromper sur les gens qui s'occupent aujourd'hui des affaires spirituelles, où que ce soit. Il y a des gens de charisme. Il y a des gens de connaissance. Et il y a des gens qui, sur une ouverture qui leur a été donnée, sont capables de lire certaines choses. C'est un outil. Non. C'est un outil, c'est une clé que le cheikh te donne quand tu as un travail à faire. Il te guide. Quand les gens viennent à toi, alors tu lis, tu décodes certaines choses sans qu'ils te parlent. Mais quelle prétention! Parce que cela t'est arrivé une, deux ou trois fois ou 10 fois. Tu es établi maintenant comme un cheikh sur la terre et sur les mers. Parce que des fois, l'ego, pour sa dimension, la terre, c'est pas assez, il dit, je suis aussi sur les mers. On a entendu Maulana Cheikh Nazim parler de ces choses-là. Quand il devait des fois dire une chose que les gens ne savent pas, qu'est-ce qu'il fait? Il s'excuse. Samahmou. Non. C'est un ordre qui m'est donné maintenant pour apaiser le cœur de cette personne. Comme il l'a fait une fois. Sri Lanka. Non. Elle est venue, une femme dont le mari avait disparu depuis une année. C'était la guerre de séparation, la rébellion tamoule. Les tigres tamoules étaient en pleine rébellion. Ça a duré une guerre qui a duré, guérilla qui a duré plus de 10 ans, qui a fait beaucoup de victimes. Et son mari, qui était, je pense, dans un corps armé, avait été fait prisonnier. Et elle était venue, Maulana Cheikh Nazim était en visite au Sri Lanka, elle était venue pour demander l'audience. Elle a dit, priez pour mon mari, je suis seule, j'ai les enfants, il y a un qui est né. Et Maulana Cheikh, il l'a regardé. Et il lui a dit, ton mari, il est comme ça, il est comme ça, il a ça ici. Et il va bien. Là où il est, il est impatient. Et il est impatient de vous retrouver. Inch'Allah,
Sur la permission d'Allah, il reviendra parmi vous. Dans peu de temps, soyez patients. Après, il s'est tourné vers les quelques étudiants présents. Il a dit, je m'excuse. Et pour apaiser son cœur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de lui dire ce que l'on voyait. Sans prétention. Et Mawlana Cheikh, quand il nous a donné les directives pour s'occuper des gens, il a dit, vous n'avez pas de droit sur eux. On ne vous a pas donné cette fonction pour que vous soyez l'épreuve pour eux. Et Mawlana Cheikh Nazim, il nous disait toujours, ne les poussez même pas pour les contrarier. Les gens du Majlis, c'est un Aman. Non. Leur Seyyid, c'est le Cheikh. Qu'Allah nous réserve d'être le test des autres. Parce que être le test des autres, c'est quelque chose qu'on ne voit jamais. On a l'impression qu'on est une faveur. Et pourtant, sous cet apparat de faveur, peut-être on est l'épreuve pour les autres. Et cela, to be the trial for others, it can be for anyone. Not only for the person that is sitting in a chair. Every person that is dealing into this world has to interact with people. Might be you are the test for others. And you don't know. Always you are thinking yourself, oh, mashallah. If they could make bahour for you, si on peut vous encenser constamment et devenir, comme il dit, Seigneur Cheikh Youssouf, comme le pan. Ce sort, il lève la queue. Quel oiseau magnifique. Mais alors, quelle tristesse quand il ouvre la bouche. Le pan, c'est l'un des oiseaux les plus magnifiques, l'une des créatures les plus magnifiques que Allah Azzawajal a mis sur cette terre. Mais c'est un symbole de kibr, d'arrogance et de prétention. Il sait qu'il est beau. Quand il marche, il sait qu'il est beau. Et quand tu le picotes un peu, tout de suite, il ouvre pour te dire la majesté et la beauté sont là. Après, tu lui dis, donne-moi quelques mots de ta sagesse. Là, il ouvre la bouche, tu dis, il n'y a pas un oiseau qui chante aussi mal que toi sur terre. Si on avait écouté, peut-être on aurait même pensé que tu es un âne. Pourquoi? Parce que l'âne, donkey, it's the most ugly voice ever created. Inna ankar al-aswati la sawt. Allah Azza wa Jalla state. Mais maintenant on a les enfants de la civilisation. Beaucoup de nos jeunes ont grandi, ils n'ont pas vu l'âme. C'est vrai. L'autre jour, je suis passé au Vermont. Face au Vermont, il y a la ferme. Tu me dis, qu'est-ce que tu fais ici? Je vois un âne dans la ferme. Vous dites, c'est la première fois que je vois un âne en liberté dans ce continent. Je suis en Amérique du Nord 30 ans. Un âne réfugié. Mais il y avait un âne. Des fois, tu vas dans les foires animales, tu en trouves un. Ils l'ont mis là pour que les gens ils viennent et les rigolent un peu.
Mais chez nous, on entendait l'âne. Alors le pas comme ça. Et pour l'humain, pour prendre la sagesse. Pour l'humain, pour prendre la sagesse. C'est Nacha en Archibald. On dit de sa station spirituelle, malade. Il a dit un jour, dans un état, alors que le hal sortait de lui, il a dit, j'étais un murshid, c'est Ibn Adam, il était entre l'argile et l'eau. It's a hal from that wali. He said, Allah made me to be a murshid. Adam was still between tin wa ma, between the clay and the water. Allah knows. But if you see his lifetime, what kind of accomplishment, what kind of achievement, what kind of reality, what kind of realization is beyond understanding. They say that from the power he had, because Allah made everything under his control. So is the eyes, they say that Iris. Iris, il tournait en permanence. Il tournait en permanence de ce qu'il a contemplé. On dit de ce qu'il a contemplé, de la manifestation de la présence divine, son être a changé de nature. L'iris était en... Quand on regardait ses yeux, il était en rotation permanente. Et de cette rotation, Allah Azawajal a mis sous sa perception, sous son regard, toute chose créée. Ça, c'est la parole d'Aulia. On en a chez Kisham. Il nous parlait de cette station de Sayyidina Shaw Nakshila. C'est Na'adam alayhi salam. Allah Azza wa Jal a décidé que quand le ruh il est rentré, quand il a atteint, en descendant, il a atteint les yeux, il lui a donné la vision de toute chose créée. Son nom est le secret de la combinaison de sa création. Et on dit de Sayyidina Shaw Naqshband, quand il a regardé dans la manifestation de la présence divine, alors ses yeux sont rentrés en rotation et il était le témoin de toute chose. Et il a eu une existence des plus grandes. Son cheminement, il est atypique, il n'est pas comme celui des autres. Maulana Cheikh Nazim, il disait, sa réalité est telle que sur cette voie, quand le dévoilement arrive, si tu le regardes, tu te perds. Et tu perds la connexion sur ton cher. Il dit, quand je l'ai regardé, grand Cheikh m'a dit, Nazim Effendi, détache-toi, sinon je te perdrai. Voilà ma chère qui parle. Il a dit, c'est comme ça qu'il est manifesté. Et rien sur ce chemin n'a de validité sans son sceau. Il est Naqsh. Il est le Naqsh, il est le sceau de ce chemin. Et il a été sous la guidance de son cher, Sayyidina Cheikh Amir Koulal. Et étant sous la guidance de Sayyidina Cheikh Amir Koulal, il était également sous la guidance Ouaisi, et notamment celle de Aziz Ali Ramitan.
Seigneur. Qu'il l'a mis en discipline sur de s'occuper des hommes, de s'occuper des animaux et de s'occuper des choses. Pour qu'il découvre le secret de toutes choses. Et il a parcouru le monde en s'occupant d'abord des hommes, ensuite des animaux et après des choses. Et quand il est venu après cet exil sous l'ordre de Ali Ramitane, il est arrivé à lui anéanti. En disant, Allah Azza wa Jal, sur votre ordre, m'a ouvert la vision. Il m'a livré le secret de toute chose, et de sa création, et de son bienfait, et de son utilité. Et j'ai vu le secret de toute chose, et l'utilité de toute chose, et la nature et la fonction de toute chose. Mais j'ai trouvé une créature sans fonction et la plus inutile de toutes. Et la dernière de toutes. So his sheikh asked him, qui est-ce? Il a dit, votre serviteur, Seyyidi. Comment on a la prétention? How we can be of thinking we are something? No. Allah gave them everything. They see themselves as the last one. Dressing what? The mantle of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Mantle of humbleness. Not faking, Hashem. Jamais. Dans la réalisation, au fait, Allah l'a rendu le sublime, la créature sublime, et il a dit, mais je ne suis qu'un faible serviteur. Quand toutes les éloges ont été décrites à propos de lui, qu'est-ce qu'il a dit à ses compagnons? Mais je ne suis qu'un humain comme vous. Faible comme vous. I'm just a bashar like you. No. This is after Allah Azza wa Jal has raised him to be the crown of creation. Raise his name. Mention his name by his name. He didn't mention, Allah didn't allow his name to be mentioned except Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is mentioned after. Crown him to the crown of nobility, to the crown of excellency, to the crown of supremacy. Beside all that, as when the companions wanted to express their love and their gratefulness and they want to praise him a little bit, quickly he will lower himself, saying, but I am a human like you. Alors, ce chemin, il est subtil. Ce chemin est subtil et les pièges sur le chemin sont à la mesure de la grandeur du chemin. Shaitan, Saïdou Billah. He promised Allah Azza wa Jal how he is going to fight for against the children of Adam, alayhi salam. And how is going to stand on the way to divine presence? Not on the ditch, not on the way to the sea, on the way to Allah Azza wa Jal. How is going to stand there? Posing as a sheikh, posing as a shepherd, posing as a lamb,
Not only is the most terrible wolf, Shaitan. Il n'est pas le loup le plus terrible qui se cache sous le like a lamb. No, he is the most terrible wolf that come to the lamb and say, I am the shepherd. Like they put in charge of the chicken house, the fox. Ils mettent en charge du poulailler le renard. Regardez, voilà ma chère. Ils sont venus lui dire, oh Seydi, parce qu'il avait le poulailler. Achip. Voilà ma chère, toujours, il s'est occupé, il aimait la nature. Il avait les vergers, les jardins d'olives, il allait cueillir les olives, les oranges, les citrons, lui-même, avec les mourides. Il avait le jardin de fleurs aussi. Bien, toute la maison est entourée. À l'époque, maintenant, ça a changé. C'est comme une forêt. Parce que c'était comme un oasis tout autour. C'était très dense. Et il avait les animaux. Et les poulets, il y avait à Chypre, Ali, comment il s'appelle ? Ali Djami. C'est le roi du poulet. Le Babatom de Chypre. Rahmatullah Ali. Le papa de Hussein, c'était le roi du poulet à Montréal. Comme il l'a décrit Cheikh Nazim. Et à Chypre, il y avait un, je pense, il s'appelle Ali Djami. Tu vois son nom partout. Parce qu'à Chypre, il a de gros élevages, il élève les poulets par dizaines de milliers. Mais dans les poulets, il y en a qui sont croches et tordus. Donc, ils ne sont pas propices pour être vendus. Parce que si tu amènes sur l'étalage un poulet qui est tordu comme ça, les gens ils vont penser que s'ils mangent, ils vont mourir. Il faut que ça ait la belle apparence aujourd'hui. If you go to buy the fruit, no one wants to buy the fruit that has little dot on it. They want its shine, its first class, it's perfect, and it has to be a little bit shiny. No, so they put wax on it now. To please what? Our illusion. Nothing else. To please our illusion. So same thing. He had many chickens that were crooked. And those chickens, usually, they go, because il élevait les poulets par dizaines de milliers, donc ça fait beaucoup de poulets. Ils ouvrent comme pour la grippe aviaire. Ils ouvrent les tranchées, ils enterrent les poulets, ils ferment. La chair tellement fâchée. Quand il y a eu la grippe aviaire et que les Occidentaux, ils ont tellement peur. They took their lesson from who? From Nimrod. They knew that Nimrod was the greatest tyrant. Allah sent him a mosquito. So whenever a virus comes and saying, I am here, yeah, Nimrod, I am here, they start shaking. And they are afraid of this little virus. La grippe aviaire, elle est venue. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des poulets par dizaines de milliers. Par millions. Ils les ont enterrés vivants. Tellement ils ont peur que le virus se propage, et après il saute, il rentre sur les humains, il finit tous les humains. Comme il disait Mawlana Cheikh, ça ne va même pas prendre deux virus. Jundullah, si Allah lui donne le pouvoir, un virus, il finit 7 milliards d'humains. Il n'a pas besoin d'un autre compagnon, juste à lui seul, il passe d'un à l'autre, il les termine tous. Si Allah lui donne la force. Et Mawlana, il était fâché. Il a dit, comment vous faites quelque chose comme ça? Ce sont des créatures. Elles sont vivantes. Et c'est un amana que Allah a donné pour vous. Halal pour vous de prendre leur vie
sous un protocole très précis. Mais avant de prendre leur vie, vous avez le devoir de les élever avec respect. And not to mistreat them. Alors, il était fâché. Quand ils ont dit les élevages de chips, on doit, tous les poulets qui sont un peu mal formés, ils sont tordus, ils sont ci, ils sont ça, on doit les, il a dit, amenez-les-vous. Et tous les poulets que personne ne voulait, il les gardait, il faisait l'élevage. Alors ils sont venus dire, oh Seydi, on a vu autour du poulailler dans les champs un renard qui rôde. We saw a fox around the chicken house. Qu'est-ce qu'il a dit? Don't worry, I saw it also. Il est assis, il a dit j'ai vu le renard, vous en faites pas. Because you think he doesn't know. Even a fox running around the chicken house, he knows. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je l'ai vu et je lui ai parlé. Je lui ai dit, oh mon ami, parce que Allah, il t'a autorisé le poulet, je te donne, je fais halal pour toi un. Be my guest. C'est mon invité, parce que c'est ta nature, prends un poulet. Mais si tu prends plus, danger sur toi. If you take more than one, he said, I spoke to the fox, and I told him halal for you one. If you eat more, you will be in problem. They say in few days, they found maybe 10 chicken killed by that fox. Et après, fini. Quelques jours après, ils l'ont trouvé couché dans le champ, mort, et son ventre, il est gonflé comme ça. He was dead and his belly very full, the fox. Et ils ont dit, ils sont venus pour parler à Maulana Cheikh, ils rigolent avant qu'ils parlent. Et il y a... Je lui avais dit, halal pour toi, hein, plus que ça, tu seras en trouble. Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Sayyidina Ibrahim alayhi salam. He was a shepherd. And Allah Azza wa Jal gave him so much abundance. Il avait tellement d'abondance. On dit que quand tu vas sur la montagne, tu regardes la vallée, son troupeau à perte de vue. Et il avait des chiens qui gardaient, 12 000 chiens. Et les chiens, il garde, il n'a pas besoin de s'occuper. Ils font le travail. How many awliya you heard this? That they did their work and you have a dog that is running and gathering without you ask him anything. The dog goes and he walk around the cattle all day long to keep them safe. Yeah. And then when the sun comes down, he bring them back. And the sheikh is in the zawiya teaching. Because Ahlullah. Quand ils sont sur le service de leur Seigneur, Allah Azza wa Jal met toutes choses en ce monde sous leur service. Alors, le chemin des Awliya, il est imprégné de cette douceur, de cette attention particulière. Il est effacé d'aucune prétention. Et c'est sur ce chemin que l'accomplissement est le plus difficile. Parce que nous avons tellement de prétentions. Oh believers, serviteurs d'Allah,
vous ne voulez pas, nous ne voulons pas être l'épreuve des autres. Nos yeux sont toujours pointés vers l'extérieur à regarder, mais nous avons du mal à voir. C'est un exercice qu'on fait. C'est un exercice qui est simple. Look, regardez autour de vous. Regarde Foulan et demande-toi qu'est-ce que tu vois. Et tout est écrit, il est comme ça, il est comme ça. Je vois ci, je vois tel manifeste. Regardons. Il est comme ça, il est comme ça. On peut tous avoir un peu un accord sur cette personne, son caractère, son apparence. On voit tout le monde. Si on se pose la question, comment on se voit nous-mêmes, comment on arrive à voir les autres, juste cette apparence, on ne sait pas, on ne voit pas. Et à l'intérieur, alors comme le pan, quand il chante, il pense qu'il est Pavarotti. Oh, he thinks that he is the best and the most eloquent one, and he keep on going. Even the crow sound better than you, peacock. But he doesn't see, he doesn't realize what is his voice. He chants and he thinks he's magnificent, like his fur and his tail, his feather and his tail. Ce caractère, il est difficile à tenir, il est difficile à cerner. Et l'épreuve de notre temps, c'est que la caractéristique suprême est la plus rare et la plus difficile. Et la caractéristique suprême, c'est cette humilité. C'est cette humilité qui est habillée de miséricorde, qui est habillée de décence, qui est habillée de douceur. Elle est très difficile à avoir. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand viendra la fin des temps, les choses vont se manifester sur leur opposé. Nafs al-amar bisou, il est généralisé. L'ego terrible est vil et enfantin. Nafs al-mutma'inna, peut-être l'ego qui est soumis et docile. Peut-être tu cherches un, deux, trois, quelques individus sur cette terre. Sinon, la généralité d'entre nous, Nafsul Amara. Alors, ça c'est la parole de Maulana Cheikh Nazim. Il a dit, autrefois, Nafsul Amara Bissou, c'est quelques individus tyranniques. Nemrod, Pharaon, ce sont les grandes figures. Et le reste était les différents niveaux d'ego. Il a dit Akhir al-Zaman, kullu nafs amara bissou. Tous les nafs sont amara bissou. Ils sont des égos pharaonesques. Donc la question, à l'évidence, sur ce que Mawlana Cheikh Nazim Qaddas Allahu Sirrahu a dit. Et on finit là-dessus, la question. Qui se voit comme Nafs al-Amara Bissou? Qui va dire, voilà, je certifie et j'atteste que tu es un ego enfantin et terrible. L'étudiant qui fait ça et qui est sincère. Véritablement sincère. Qu'est-ce qui lui arrive? Tout de suite, son cher va apparaître pour le donner. Comme c'est arrivé. Cet étudiant qui était caché, il combattait son ego et il était tellement fâché. Il a dit par Allah, si tu es pas pire que le shaitan, que je sois divorcé trois fois. If he is speaking to himself, if you are not worse than shaitan.
all my nafs. And he doesn't know that his sheikh is watching. No. As soon as he say that, the sheikh came. Oh, the holland. And he opened for him. Mais on ne peut pas. Pourquoi? Parce que nous nageons dans notre condescendance et dans notre illusion. Et qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah nous pardonne. La véritable humilité, c'est de donner à tout autre autant de crédit qu'on se donne à soi. Car chaque serviteur est une manifestation du Seigneur des mondes. C'est une âme créée, et Allah Azzawajal, il n'a pas créé une âme excepté par amour. Et il n'a pas créé un serviteur excepté that servant is dear to him. Even if he made them to go on wrong way, it's for the purpose of the scenario. But still that soul is dear to him. He created every soul with love. And like he showed to Sayyidina Musa alayhi salam, when he closed the sea on Pharaoh, and Pharaoh screamed to him and said, Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Musa Rasulullah. And he closed the sea on him. And Allah said, why you close? If he asked me once, I would have saved him. And then what he told him, Ya Musa, you cannot understand. You didn't create them. I created all these souls with my love. Qu'Allah nous pardonne, nous couvre de sa grâce, de sa miséricorde, nous guide et fasse de notre cœur un antre de miséricorde. Fill our heart with love, with kindness, with subtle touch towards each another. May He made us that everyone will be safe from our hand and from our tongue. As Prophet صلى الله عليه وسلم said, إلى حضرة النبي الفاتح. بسم الله الرحمن الرحيم.